Réservé aux médecins, vous pouvez pas rester là. Hey ! Et pour les médecins, regardez. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit, oui ou non ? Oui. Ici, c'est le parking des médecins. Oui. Alors mettez-vous ailleurs. Donnez-moi 5 minutes et je vous ouvre du sternum jusqu'au pubis. Je vous ressèque le côlon, je vous change de sexe et je vous recroue avec mes lacets de chaussures. Oh, vous allez le dire plus tôt. Voulez-vous surveiller mes affaires? Le docteur Brown est demandé en chirurgie. Le docteur Brown est demandé en chirurgie. Le docteur Mallory demande l'infirmière-major au téléphone. Le docteur Mallory demande l'infirmière-major au téléphone. Le docteur Carré. Docteur Carré? Oui. Andrew Murphy, enchanté de vous connaître. Comment ça va, Murphy? Pour le moment, je suis assistant du patron dans cette maison. Inutile de vous dire que je ne suis qu'un personnage peu important dans la boîte. Pas le dernier, en tout cas. Non. Vous êtes en retard. On pensait que vous viendriez hier. Ah, mon cher, c'est l'espérance qui fait la moitié du plaisir. Venez, je vais vous montrer l'usine. Le docteur Lehmann est prié d'appeler le bureau de la direction. Le docteur Lehmann... J'aimerais mettre quelque chose sous la dent, des œufs par exemple. On demande café. Madame Collins au téléphone. Docteur Carré, comparé à notre café, un demi-centicule d'épinéphrine semblerait de l'eau de fleur d'oranger. Et les œufs? Titanesques. Toutes nos poules sont en traitement pour hémorroïdes chroniques. Oh. Où allons-nous? Ici. Ah, le docteur Carré. On nous avait dit que vous seriez là hier. Ah, j'ai eu un petit empêchement. Vous connaissez Jonathan? Naturellement. Comment ça va, Dieu? Oui. Docteur Tao? Oui, nous avons été internes ensemble. Ah, tu l'as pas oublié. Comment ça va en Californie, Peter? Tout est merveilleux. Docteur Jenkins. Bonjour, comment allez-vous? Docteur Carré, Georgia Hightower. Enchanté. Bonjour. Docteur Weston. Bonjour. Bah, enchanté de vous connaître. Ah, la Californie. Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus bronzé? Je suis du nord de la Californie, l'État est très grand. Qu'est-ce qui vous amène à Boston? L'appât du gain. Il y a quelque chose qui sent bon, c'est vous? Non, c'est la vanille. Je m'en suis renversée sur moi en essayant d'améliorer un peu le flan. Oh, vous travaillez à la cuisine? Oui, je suis la diététicienne. Oh. Si vous avez des réclamations à faire, il y a une boîte faite exprès pour ça. Et si ce sont des compliments, vous pouvez plutôt les faire directement. Peter, Penny, vous voulez voir, on pourrait dîner ensemble? Oui, bien sûr. Hey, Georgia. Oui?
Voulez-vous dîner avec nous ce soir? Comme ça, on sera quatre. Entendu. Passez me prendre après 7 heures, quand mon fils aura dîné. Votre mari ne peut pas s'occuper de lui? Ah non, il est au sport d'hiver. Quand est-ce qu'il revient? À la Saint-Glinglin. Au revoir. La vie. Ça me fait plaisir de te retrouver. Merci, David. Parle-moi un peu de la boîte. En commençant par le vieux Randall. Randall. Et en finissant par Burger. Le père Randall est olympien. Il joue au bridge, il a une nouvelle femme, jeune et ruineuse. Oh, on devine où vous avez passé votre enfance. Si on a moins de 60 ans et qu'on est blanc, on appelle le patron monsieur. Si on est noir, jaune ou n'importe quoi d'approchant, on ne lui adresse pas la parole. Ça ne va pas être pratique. C'est prudent. Prudent. Tu peux pas te rendre compte. Parce que je suis blanc, protestant, etc., etc. Blaine, tu l'as déjà rencontré. Il tient la maison. Il surveille le linge, il distribue les bassins. C'est un bon bougre, mais il sera encore mieux quand il aura pris sa retraite et une bonne purge. Ensuite, il y a Jenkins. Il fourre ses doigts dans la fente des taxiphones pour voir si personne n'y a laissé une pièce. C'est une habitude professionnelle. Il est proctologue. Oh, mon Dieu. Non, attends, il y a aussi Sanderson. Tu te rappelles, tu l'as déjà vu. Ouais. Et Murphy. Murphy va se marier pour le fric et ne paraît pas le regretter. Mais sa femme le pourrait. Demandez à la kinésithérapie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont perdu quelque chose? Tu parles, une centaine d'ampoules de morphine. C'est pas la première fois, c'est quelqu'un de la maison. Y'a, il peut passer. Y'a une minute. Arrêtez ou tire! Ça va, hein? Dites donc, votre insigne de médecin vous autorise pas à empêcher un agent de police de poursuivre un malfaiteur? Votre plaque ne vous autorise pas à tirer sur un jeune idiot qui ne sait pas qu'il ne pourra pas échapper à une vingtaine de policiers. Pourquoi vous sauviez-vous? Je fume quelquefois un peu d'herbe, mais je vous jure que je n'ai pas touché à la morphine. Ah, vous baladez avec ça dans la poche et vous la portez à l'hôpital. Vous êtes dignes l'un de l'autre. Attendez, vous avez été fouillé? Allez. Bonjour, Madame Joris. Bonjour, docteur. Ça va? Ça y est? Hé, hey, docteur, ne me laissez pas avec ces types-là. Vous êtes renvoyé, mon petit. Hé, si vous me conduisiez. Bon. Aller à la chasse aux appartements. On y va? Eh bien, partons. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ah, ça. Oh, ils ont arrêté un infirmier qui avait de la marijuana dans sa poche. Il a failli se faire descendre. Et qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Rien de rien. Vous avez oublié votre mur? Vous savez ce que vous mettez autour de vous pour qu'on ne vous approche pas? Alors, vous cherchez un appartement. Nous avons failli louer un appartement pareil. Il n'a pas voulu? Vous savez, un matin, je lui ai apporté son jus d'orange glacé. Il l'a regardé et il a dit, il est synthétique. Tu es synthétique. Toute ma saloperie de vie est synthétique. Et j'ai un gosse à moitié idiot. Alors il a mis un passe-montagne, il a fait sa valise et il est parti au sport d'hiver. Je ne l'ai pas revu depuis. Comment vous arrangez-vous? Je découpe le poulet moi-même. J'explique à mon fils ce qu'est la masturbation. Je fais tout et n'importe quoi, ça n'a pas d'importance.
prendre cet appartement. Ah oui? Oui. Ah. Oh, il suffira d'un coup de peinture. Une jolie peau d'eau. Non, merci beaucoup. Et un fond de musique douce. Vous serez très bien. Oui. Je crois que je vous donnerai une clé. Oui, d'accord. Mais je vous avertis, j'aurai probablement envie de choisir les rideaux. Et je finirai par apporter ma poêle à frire. Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai commencé ma première année de médecine. J'étais déterminé à devenir le plus grand chirurgien que le monde ait connu. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? Eh ben, la prochaine fois que tu auras 2 ou 3 heures à perdre et que tu ne craindras pas d'être démoralisé. Démoralisé? Oui. Je te raconterai ça. Laisse-moi deviner. C'est à cause d'une femme. Non. Non? Au contraire. Les femmes m'ont rendu la vie supportable. Juste supportable? Ou presque. Oh. Comment se fait-il que tu ne sois pas marié? Personne ne se marie plus aujourd'hui. C'est une institution qui meurt, un reste du passé. Bon débarras. Or, c'était pas entièrement de sa faute. Je reconnais que j'étais odieuse avec sa mère. Et je jetais l'argent par les fenêtres. Et ce que j'aime faire au lit lui déplaisait. Il trouvait que c'était immoral. Ben, ça l'est. Ah, tu crois? Oui, très immoral. Morgan, au laboratoire, 5e étage, s'il vous plaît. Oh, docteur, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous présente le docteur Carré, mademoiselle. Très heureuse. Excusez-moi, mais il faut que je m'en aille. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Sanderson. Au revoir, Karine. C'est la fille de Randall. Ah, le seigneur du lieu, comme le fut son père avant lui. Entrée vivant dans la légende. Je comprends que la pauvre gosse soit une boule de nerfs. Randall est un très bon chirurgien et un administrateur hors ligne, ce qui va rarement ensemble. S'il n'y avait pas eu lui et sa famille, cet hôpital auquel vous avez l'honneur d'appartenir serait beaucoup moins coté. Beaucoup moins. J'en suis persuadé. Sur la table. Où est le rapport de pathologie? Et à qui est-ce que je parle? Docteur Peter Carré. Eh bien, monsieur, réveillez-vous. C'est si donc ça à faire? Vous voulez que ça soit exact? Je veux que ça soit rapide. Le spécimen est composé en presque totalité de cellules parenchymales indifférenciées qui ont envahi le tissu normal environnant. Les cellules présentent de nombreux noyaux hyperchromatiques irréguliers, des phénomènes de mitose, et il y a un nombre élevé de cellules multinucléées. Mon impression est qu'il y a une malignité primitive du poumon, probablement un carcinome bronchique. Merci. N'importe quoi. Vous savez, si vous avez l'intention de rester ici, vous feriez bien de ne pas prendre le bâton à brosse-poil. Avant de lui lécher le cul, il faudra que je vois comment il est. Le docteur Burton est réclamé pour une urgence. Le docteur Burton est réclamé pour une urgence. Comment ça marche, Peter? Très bien. En tout cas, il fait vite, hein? Ouais. Il a une partie de golf à 11h30. Une forte mortalité. Assez forte. Il a perdu les cas les plus graves. Ouais,
Je crois que le père Randall ne sera pas en retard pour sa partie de golf. Oh, bonjour. Bonjour, ça va. Docteur Carré, docteur Randall. Ah, docteur Carré. Bonjour, monsieur. C'est avec vous que j'ai eu des mots ce matin. Mais... J'ai été un peu vif. Ah non. Je pense que vous connaissez votre travail, autrement vous ne seriez pas ici. Étant donné que je vous coûte 45 000 dollars par an, espérons-le. Que les pathologistes ne faisaient pas de visite à domicile. David Tao est en prison. Je voudrais voir le docteur David Tao, s'il vous plaît. Voyez le sergent. Sergent. Est-ce que vous voulez Je voudrais voir le docteur David Tao. Impossible. Pourquoi? Il est en cellule. Alors, donnez-moi votre numéro matricule. Débilez-vous. Écoutez, je vais vous expliquer ce que dit la loi. Vous êtes requis de donner votre numéro matricule à toute personne qui le demande. Si vous refusez c'est de bon, le faire... C'est bon, vous êtes avocat. Oui. Votre nom? Carré. Comprenez que je me méfie. Un meurtre, c'est un meurtre. Ah, ici. Sans ça, j'aurais pas pu entrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire terrible. On m'accuse de meurtre. Mais qui? Qui est-ce qu'on t'accuse d'avoir tué? Karin Randall. Elle a été amenée aux urgences hier soir par sa mère. Elle perdait beaucoup de sang. Elle était très faible, en état de choc hémorragique. Quelques minutes plus tard, elle est morte. La police croit que je l'ai fait avorter. Pourquoi toi? Ben, je n'en sais rien. Il est possible qu'elle ait déliré, qu'elle ait parlé de moi. J'ai déjà fait des avortements. Pourquoi? Pourquoi? Ça a commencé quand une idiote de petite portoricaine est venue me trouver.
Elle s'était fait engrosser par une espèce de petit minet dont la mère possédait une fortune considérable. Et il a dit que ce n'était pas lui qui pouvait prouver le contraire. Elle serait allée voir un personnage qui aurait accepté de faire le travail pour 75 dollars avec une payeur vaudou par-dessus le marché. Cette nuit-là, j'ai pas pu fermer l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à toutes ces fausses couches d'amateurs que je voyais à mes débuts. Les filles venaient à l'hôpital en saignant et affolées. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui. Alors je me suis dit que la loi était mal faite. Que les médecins jouent le rôle de Dieu dans des histoires bizarres. Dans celle-là, je pensais que c'était bien. Combien les fais-tu payer? Je prends 25 dollars. Ça paye les frais de laboratoire, rien de plus, rien de moins. Sanderson m'a toujours couvert. Il prépare des lames truquées pour le contrôle des tissus et il leur colle l'étiquette curetage. Mais il va prendre sa retraite et je me disposais à te demander de me rendre le même service. Allez, d'accord, je suis pour la semaine de 4 jours, le service militaire volontaire et le mariage des prêtres. Mais s'il s'agit d'enfreindre la loi, j'y mets une certaine discrétion. On ne peut pas jouer les bons dieux quand on moisit dans une prison. Mais je n'ai jamais touché à Karine Randall. Elle était enceinte de 4 mois. 4 mois. Je lui avais dit de garder son enfant. Qu'elle mettrait peut-être au monde un Mozart ou un Freud. Écoute, David. Tu es un homme respecté et très estimé dans la profession. Tu n'es pas un pauvre type sans un sou en poche, alors si t'ayant arrêté, il ne trouve rien pour étayer l'accusation, il y aura beaucoup de têtes qui tomberont. Le capitaine veut vous voir. Je ne sais foutrement pas ce que je peux faire, mais je... Peter. Oui. Dis à Penny que... Non, rien. Monsieur Carré? Oui. Je m'appelle Pearson. Je connais la plupart des avocats de Boston, mais je ne vous ai encore jamais vu. Je ne suis pas avocat. Vous avez dit au sergent Pelletier. Vous êtes donc un menteur, monsieur Carré. Je suis médecin. Il arrive souvent que ça revienne au même. Écoutez, j'ai un bon conseil à vous donner. Je n'en attendais pas moins de vous. Tenez-vous loin de ce qui arrive à Tao. La publicité pourrait effrayer votre clientèle. Quelle publicité? La publicité que le procès va faire. Qu'est-ce qui vous dit qu'un procès aura lieu? Je le sais. Et cette publicité-là pourrait éloigner votre clientèle. Vous savez, je n'ai pas de clientèle, capitaine. Je suis pathologiste. Oh. Je travaille dans les hôpitaux, je fais des autopsies, je taille des tranches de foie et je découpe des cadavres. Vous aimez ce métier? Et vous, vous aimez le vôtre? J'aimerais mieux aller planter mes bégonias. Voulez-vous, chacun de nous porte sa croix, la vie est ainsi faite. Voilà une fille morte d'une hémorragie des suites d'un avortement illégal. Pas une tapineuse à 10 dollars. Une petite gosse qui avait tout juste 15 ans et qui était d'une bonne famille. Elle était charmante et elle a été massacrée par un boucher. Vous semblez prendre la chose à cœur. Oui, ça met en rogne. Écoutez, le docteur Tao est un de nos meilleurs chirurgiens. Il serait capable de rafistoler une montre suisse avec les yeux bandés et les mains dans des grandes boxes. Karine Randall est morte à cause d'un avortement mal fait. Cherchez le responsable ailleurs. Au moment de mourir, la gosse a dit à sa mère que Tao avait fait l'avortement. La mère a fait sa déposition et elle la confirmera devant le jury. Et c'est tout ce qu'il faut. C'est tout, oui. S'il y a des complices, on le verra ensuite. Qui sait, vous êtes peut-être aussi mêlé à l'affaire. Ah oui. Il y a encore cette possibilité. Ça veut dire que vous l'êtes? Ça veut dire que c'est une possibilité. Vous faites ta forte tête, docteur. Rien ne vous empêche de vous servir de vos matraques. Ah, non, c'est une façon de faire qu'on n'emploie plus. Oh, je voudrais bien pouvoir être tout à fait rassuré. Oh, ne soyez pas trop rassuré. Autrement dit, dans mon cas, vous pourriez faire une exception. Rien n'est impossible. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, docteur. Quel idiot avec ses principes. Il aurait pu commencer par penser qu'il avait une famille.
Il n'a pas été arrêté pour ses principes, il a été arrêté pour meurtre. Parce qu'il a été assez stupide pour faire des avortements. Tu as parlé, Amélie? Oui, je lui ai déjà parlé. Ça n'a servi qu'à la faire pleurer. Elle est catastrophée. Écoute, je vais aller voir Penny pendant le déjeuner. Il vaudra mieux que tu demandes à Murphy d'aller avec toi. Il lui donnera un sédatif s'il le faut. Je croyais que tu allais venir. Non, j'ai une matinée chargée. Je veux voir le rapport sur la petite avant l'autopsie. Je garde le dîner au chaud. Ouais. Garde tout bien au chaud. Tout à l'heure. Les fiches sur Karine Randall. Elle a été admise ce matin ou tard dans la nuit, je ne sais plus au juste. Vous ne les aurez pas. Pourquoi? Elles sont chez le vieux. Ah, eh bien, subtilisez-les lui, je voudrais absolument les voir. Ils vous ont donné des consignes? Ne prenez pas cette attitude avec moi. Oh, allons, barre, allons. Voyons. La fille du docteur Randall a été tuée par un avorteur. Il faut que quelqu'un paie. Tao est un avorteur. À Boston, avec un jury plus qu'à moitié catholique, il sera sûrement condamné. Vous êtes catholique? Non, absolument pas. Je n'ai aucune croyance. Vous ne croyez même pas à l'équité? C'est à moi qu'on reste. C'est un biotest? Pourquoi? Morphine. C'est une méthode qui n'est plus en usage. Moi, je ne suis pas pathologiste. C'est du sang pris à un garçon de 16 ans, étudiant à Yale. Ils disent qu'il est très brillant. C'est mon fils. Sanderson, j'ai vu Tao ce matin. Oui. La nouvelle s'est répandue. Vous l'aidiez, n'est-ce pas? J'estimais qu'il avait raison d'agir ainsi. Et à présent? Le docteur Randall a été mon ami et mon collègue pendant 30 ans. J'ai connu sa première femme. Je m'étais attaché à ses deux enfants depuis leur naissance. J'ai fait sauter Karine sur mes genoux quand elle était petite fille. Ouais. Je voudrais vérifier deux ou trois choses. Est-ce que vous pourriez m'en placer? Oui, deux ou trois jours, pas plus. J'ai 68 ans, je suis rhumatisant et diabétique, j'ai besoin de me ménager. Oh, je n'en parlerai pas l'habitude, je vous le promets. Si vous voulez vous renseigner, vous feriez bien de ne pas manquer l'autopsie. Ça va commencer tout de suite. Vous la faites? Non. Je ne pourrai pas. Et n'y participez pas. Entendu. Merci. Bonjour, Karine. Qu'est-ce qui vous amène? L'autopsie de Karine Randall. Je peux m'asseoir? Vous avez une raison spéciale? Et en vous une? Non. On commence tout de suite. Vous voulez vous changer? Non, non, je ne ferai que regarder. Je vous présente notre chef d'autopsie, Monsieur Newman, le docteur Carré. Si, c'est la fille Randall, vous savez. Elle était toute jeune. 15 ans. Qu'est-ce que vous constatez? Augmentation de poids récente. C'est très nettement marqué sur les hanches et la poitrine. C'est une blonde, mais elle a quelques poils noirs ici, au-dessus de la lèvre, et elle en a aussi sur les avant-bras. Ils ont l'air nouveaux. Oui, c'est intéressant.
Taille 1m63. C'est de là qu'est venue l'hémorragie. Celui qui a fait ça n'est pas tout à fait un profane. Il savait au moins comment se faire un curetage. Oui, excepté la perforation. Oui, excepté ça. Il y a déjà une chose certaine, c'est qu'elle ne s'est pas fait ça toute seule. Elle ne pouvait pas racler elle-même de cette façon. Sans l'utérus, c'est normal. Êtes-vous ici en qualité d'enseignant, M. Carré? Cette fille n'était pas enceinte. On ne peut rien affirmer tant qu'une autopsie n'est pas terminée. Je ne risquerai pas un prédiagnostic. Alors donc, si vous êtes incapable de voir ça, on devrait vous interdire d'exercer. Docteur Barker? Oui. Vous êtes Peter Carré, on m'a parlé de vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit de moi? On m'a dit que vous étiez d'excellente humeur quand vous vous réveillez le matin. Qui diable peut avoir dit une chose pareille? Georgia. Georgia. Nous sommes de très bonnes amies. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Que vous faites très bien le soufflet et que vous nettoyez les plats ensuite. Ouais, je suis un merveilleux cordon bleu. Asseyez-vous. Prenez une pomme, j'ai des Cortland et des délicieuses. Je prendrai une délicieuse. Je les cultive. Ah oui, où ça? J'ai un verger à Dover. Un charmant vieux verger. Venez un séjour là-bas pour un week-end prolongé. Non, merci. Des scrupules? De la faiblesse. Je ne serais pas si en forme le matin si j'en avais. Il devait satisfaire. Alors, si mon offre ne vous tente pas, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un test hormonal pour la grossesse d'une femme morte. Grossesse de combien? De 4 mois. C'est vous qui en étiez l'auteur? Non, je suis pour rien. Il faut 2 centicubes. Il y en a bien assez, pas de problème. Mademoiselle Alder. Angela. Préparez ça pour un test hormonal. Merci pour la pomme.
Quelle charmante soirée. Je ne saurais dire pourquoi, mais... j'ai assez nettement l'impression que vous ne vous amusez pas follement ce soir. Non, je suis désolée. Vraiment désolée. Ça tient simplement à ce que j'ai toujours eu du mal à exprimer mes sentiments intérieurs. Eh bien, alors ça nous laisse différentes solutions. Nous pouvons commencer une vraie conversation ou un semblant de conversation. Ou passer chacun notre chemin séparément. Ouais. Mais je vous avouerai que c'est une solution que je n'avais même pas envisagée. Vous me surprenez, docteur. J'aurais juré pourtant que vous étiez un de ces hommes qui envisagent toutes les solutions. Nous en avons trouvé trois. Choisissez la meilleure. Essayons de nous en aller séparément. C'est la mauvaise. Qu'est-ce qui se passera si nous le regrettons ensuite? Dans ce cas, je saurai où vous trouver et vous saurez où me trouver. Ça, c'est pour vous remercier de la charmante soirée, docteur. J'ai particulièrement horreur. Ouais, lesquelles? L'une, c'est les haricots froids. Et l'autre, c'est Angela Halder. Pas nécessairement dans cet ordre-là. Non, ne sois pas trop sévère. Elle a incontestablement certains avantages en sa faveur. Hein? Dites-moi, hein? J'en ai noté deux, moi. Je crois que je vais rentrer chez moi. Tu plaisantes. Qu'est-ce que tu as? J'ai que je ne veux pas être tentée de dire des choses que je pourrais regretter demain matin. Oh, c'est vrai? Eh bien, dis-moi une, par exemple. Par exemple, je pourrais dire que... qu'Angela est exactement le genre de poule à qui n'importe quel homme n'a qu'à faire miroiter 4 sous pour avoir droit. Écoute, est-ce que tu serais satisfaite si je te disais que je n'ai eu avec elle qu'une conversation banale dénuée d'intérêt? C'est tout ce qu'il y a. Non. Me donner au moins une raison pour laquelle je devrais essayer de me calmer. Parce qu'il n'y a aucun motif qui puisse te mettre la tête à l'envers. Tu n'as qu'à rester ce que tu es, et moi-même je resterai ce que je suis. Tu as raison. 2 points pour le célibataire. Oh, je t'en prie. Tu tiens encore pour blesser une femme, toi. C'est vrai, je suis en colère après toi. Je viens de m'en souvenir. Ah oui, pourquoi? Parce que... Bien. Ta fille, il vaut mieux que tu la ramènes chez lui. Oui, je prendrai le volant. Bonsoir, ma fille. Alors, ça va? Maman va reconduire bébé à la maison. Est-ce que vous avez passé l'alcool test? Oh, ma fille. Bonne nuit, ma chérie. Personnel de m'en vouloir? Je suis son frère. Le frère de qui? De Karine. Je crois que vous m'avez cassé le nez. Ouais, j'espère bien. Il l'a tué et je ne veux pas que vous l'aidiez à ce tiré d'affaire. Je voulais vous en empêcher par tous les moyens. Tenez, appliquez-vous ça sur le nez. Renversez la tête en arrière. Elle avait 15 ans, est-ce que vous saviez ça?
Oui, je le savais. Je n'avais pas de nouvelles d'elle depuis quelque temps. J'ai reçu cette carte d'anniversaire ce matin. Elle est morte et voilà que je trouve cette carte d'anniversaire dans mon courrier. Voilà ce qu'elle dit, je suis contente que tu sois née, parce que j'ai besoin de $20 jusqu'à jeudi prochain. Allez, buvez ça. Pourquoi aviez-vous cessé de vous voir? Mon père l'avait mise interne dans l'école de Mademoiselle Carter. Une école pour filles de famille riche. Elle avait un amoureux? Un amoureux? Non, je ne pense pas. Lydia, sa copine de chambre, qu'appareille tous les garçons, y compris ceux de Karine. Elle a tout de même couché avec un homme, vous le savez. Ça ne regardait personne d'autre qu'elle. Quel était son médecin de famille? Mon oncle Joshua. Nous avons tous plus ou moins fait de la médecine dans ma famille, vous savez. Vous êtes à Harvard? Avez-vous fait votre obstétrique? À l'hôpital général. Vous avez assisté à des curetages? Oui, à plusieurs. Vous saviez le faire? Espèce de salaud! Vous insinuez que c'est moi qui ai fait ça? Vous auriez pu le faire pour la tirer d'embarras. C'était ma sœur, non? Je l'aurais fait pour la mienne. Moi, je ne l'ai pas fait pour la mienne. Docteur Carré. Ah, monsieur Carré. Bonjour, monsieur. Je souhaitais avoir un entretien avec vous. Oh, je n'ai pas voulu vous déranger. Mes condoléances. La mort de votre fille a été une chose navrante et inutile. J'essaie de connaître mes collaborateurs personnellement autant que professionnellement. Oui. Vous êtes venu chez nous précédé d'une excellente réputation. Mais une chose m'étonne. Vous êtes très rarement à votre travail. J'ai été occupé par une petite enquête. De quelle nature? Je voudrais savoir pourquoi une profession dont une règle essentielle est d'examiner objectivement les faits s'acharne à câbler un homme qui est innocent. Le docteur Tao pratique des avortements. Il opère illégalement. En tant que médecin, il manque à la déontologie. En tant que citoyen, il tombe sous le coup des lois pénales. Et vous-même, vous vous efforcez de l'aider. Vous négligez votre travail. Est-ce mon travail qui ne vous donne pas satisfaction? Ou est-ce l'enquête? Il y a des hommes comme vous dans toutes les professions, Carré. Des enseignants protestataires, des officiers félons, des prêtres apostats. Pourquoi restent-ils à leur poste? Au lieu de laisser les institutions à ceux qui pensent que c'est un honneur de les défendre. Et si on désaffectait plus tôt les institutions? Si on chassait de la profession le chirurgien qui enlève leurs ovaires à des femmes parce qu'il a envie d'un nouveau bar ou d'une piscine chauffée pour sa résidence à la campagne. Si on se débarrassait du charlatan qui prend $1,000 à un vieillard pour faire une opération de la cataracte. Opération qui ne lui demande exactement que 4 minutes entre deux pauses café. Si on supprimait les consultations à 4 pour une simple verrue sur le nez et les ristournes payées aux confrères. Il est plus que temps de briser quelques vitres et de laisser entrer de l'air frais. C'est du vandalisme. Non, c'est de l'intégrité. Excusez-moi, madame. Le docteur Carré. Bonjour, monsieur Carré. Madame Randall. Mon mari m'avait averti que vous alliez venir ici. Ah oui? Et il m'a dit de vous mettre à la porte avec perte et fracas. Vous faites toujours ce que dit votre mari? Non. Qu'est-ce que vous voulez boire? Du thé. William, vous apporterez du thé pour monsieur. Et encore un scotch. Bien, madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ma combinaison dépasse? Vous n'en portez pas.
Qu'est-ce que vous me voulez? Parlez-moi de votre fille. De ma belle-fille. Je ne suis pas assez vieille pour être sa mère. Vraiment? Oui, vraiment. Ah bon, ce que vous me dites. Dites donc, si vous en veniez au fait. Je voudrais savoir pourquoi vous avez menti à propos du docteur Tao. Eh, attention. J'ai le sang chaud, figurez-vous. Je n'aime pas être traité de menteuse. C'est un chirurgien trop adroit pour qu'il ait pu massacrer quelqu'un de cette façon. Juste avant sa mort, Karine me l'a répété 3 fois. C'est le docteur Tao qui est le responsable. Elle était consciente et vous lui avez parlé. Elle s'est évanouie juste en arrivant à l'hôpital. Comment avez-vous su que l'avortement était provoqué et pas accidentel? J'étais affolée, j'ai fouillé dans son sac. J'y ai découvert une carte portant le nom du docteur Tao, agrafée à son chéquier. Et le dernier chèque qu'elle avait fait était de $350 au porteur. C'est comme ça que j'ai vu que c'était un avortement. Le chèque a été encaissé? L'homme à qui elle l'a donné a été arrêté. Il n'a sûrement pas pu aller à la banque. Quand il faisait un avortement, le docteur Tao prenait $25. Oh. Juste les frais de laboratoire. C'était sa manière à lui de préserver son honnêteté, Madame Randall. Quelle est la vôtre? J'ai renoncé à piquer des bâtons de rouge à lèvres dans les prises uniques. J'assiste aux offices sur le banc familial. Je fais partie d'une société de bienfaisance. Et quand je vais dans le monde, je dis rarement merde. Oh, profitez de ce que vous n'êtes pas dans le monde. Je suis membre d'un club très chic et ma cotisation est payée. Vous êtes inattaquable? En tout cas, je le crois. Je vais essayer. Faites comme chez vous. Vous êtes bien sûr que vous ne voulez pas boire un verre avec moi? Ah non, non, vous êtes trop jeune pour moi, mignonne. Quoi? Bon, on peut exclure une tumeur surrénale. De même qu'une tumeur ovarienne. Il n'y a pas d'hyperplasté de l'endomètre, au contraire, il serait plutôt inerte et atrophique. Et la thyroïde, les surrénales et les gonades paraissent toutes plus ou moins panhypophysées. Tu voudrais bien me traduire, s'il te plaît? Ouais. Alors, javanais, ça se dit, c'est la bouteille à l'encre. J'aurais besoin d'éléments complémentaires. Pathologie du cerveau, hormone, hématologie, radio. Tiens, dis, ça m'appelle. Ton ami, le docteur Barker, ne m'a pas encore remis les tests sanguins. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça prouverait? Que la petite n'était pas enceinte. Il croyait qu'elle l'était pourtant. Oui, elle n'avait pas eu ses règles. Oh, je n'ai pas eu mes règles non plus la fois où j'ai joué Lady Macbeth à l'école. Lady Macbeth? Mm-hmm. Ah oui, l'émotion peut stopper la menstruation une fois, mais pas 3 mois de suite. Il y a aussi les autres signes, l'obésité, le développement de la pilosité. Si j'étais toi, je cesserais de regarder dans mon microscope et je chercherais le garçon avec qui elle couchait. Ah, tu crois que les données de la science n'apporteront pas la solution? Pas si vite que celle du sexe. Nous couchons ensemble. Quelle conclusion quelqu'un pourrait-il déduire de ce fait? Rien de bien net. On pourrait peut-être constater que j'étais disponible et que tu te trouvais là. Tu crois que ça ne va pas plus loin que ça? Jusqu'ici, non. Est-ce que ça te consolerait si tu savais que mes sentiments sont plus profonds que ça? Bien sûr. Et avec le temps, en admettant que tout marche bien, je te débarrasserai de tes créanciers, je gâterai ton fils, je te comblerai d'amour et d'admiration, nuit et jour. Mmh. On commence quand? Dès demain matin. Oh. Je vais travailler toute la nuit. Prends un taxi pour rentrer. Réveillez-vous.
Quelle heure est-il? 8 heures. On ne fait pas mieux comme Saligo. Hein? Vous ne recouvrez pas votre microscope quand vous avez enlevé vos préparations? Quand vous déciderez-vous à travailler pour l'hôpital? Le chef de service commence à me faire des remarques désobligeantes. Dites-lui que j'ai une syphilis tertiaire. Ouais. Je ne serais pas surpris que ce soit vrai. Mademoiselle Barrett? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Carré. Je suis l'oncle de Karine Randall. Oh, vous venez pour prendre ses affaires? Je viens surtout pour vous parler. Oh, je suis absolument navrée, c'est impossible. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Ah, mais ce n'est pas pour longtemps. Mais je ne peux pas recevoir un homme dans ma chambre, c'est le règlement. Eh bien, nous y ferons une petite entorse. Elle lui lança des fléchettes tous les soirs avant de se coucher. Est-ce que vous regrettez sa mort, Lydia? Je regrette toujours la mort des gens. Est-ce que vous étiez lié avec elle? Vous ne l'avez pas choisi. On nous avait mises dans la même chambre, c'est tout. Je ne veux plus personne d'autre dans la mienne. Vous ne vous entendez pas avec les gens? Pas s'ils sont grossiers. Karine était grossière? Oh oui, elle essayait toujours de me choquer. Vous choquez peut-être facilement. Elle se déshabillait et elle se baladait devant la fenêtre. Elle jurait comme un charretier. Oh, ma mère le fait aussi à l'occasion. Elle allait avec n'importe qui. Elle ne parlait que de ce que les hommes lui faisaient dans le lit et de ce qu'elle leur faisait. Elle disait qu'elle s'en envoyait 2 à la fois, ou 3, même 4. Ça lui était égal. Êtes-vous vierge? Ça ne vous regarde pas. Non, c'est juste. Vous n'êtes ni mon père, ni mon directeur de conscience, ni mon médecin. Non, en effet, mais... Je pensais qu'actuellement, c'est une chose d'une telle rareté que vous pourriez en être fier. Et bien, si vous tenez à le savoir, je suis vierge. Ah, si vous ajoutiez un petit peu de charité à cette chasteté, vous seriez une fille extraordinaire. Il faut que je m'en aille. Oui, je regrette, je vous ai mise en retard, je vous déposerai où vous voudrez. De tête, rendez-les-moi. Je ne suis pas pharmacologue, Lydia. Mais je parie que ce sont des pilules contraceptives. Et que vous en prenez. Ce qui fait que vous avez menti, n'est-ce pas? Allez vous faire voir. Et tout ce que vous avez dit à propos de Karine est probablement vrai pour vous. Arrêtez-moi là et laissez-moi descendre. Son sang coulait partout. Elle en a perdu 2 litres. L'hémorragie l'a tué. Je veux
découvrir celui qui a tué Karine et vous allez m'y aider. Avez-vous menti? Elle m'avait pris mon ami. J'étais fou de moi avant qu'elle arrive. Comment s'appelle-t-il? Roger. Roger comment? Roger. Où habite-t-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est garde du corps. Vous avez une photo de lui? Non. Foutez-moi la paix. C'est lui? Espèce de pourriture. Le docteur Barker est grippé. Elle m'a téléphoné hier soir de Dover et elle m'a chargé de vous donner les résultats du test sanguin. Qu'est-ce que ça donne? L'excrétion du métabolisme hormonal est très bas d'après le dosage. Il n'y avait pas de grossesse. Je vous remercie beaucoup. Je vous renvoie ça un jour. Fred, vous me remplacez? Randall n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte? Comment ça? Mais elle m'avait dit au contraire qu'elle était restée 4 mois sans avoir ses règles. Tu l'avais examinée? Non, je ne voulais pas m'occuper d'elle. Je l'avais mise à la porte en lui disant de voir son médecin de famille. Son oncle? Oui, son oncle. Il faut que tu lui parles. Il fait la même chose que moi, la différence qu'il ne prend que des femmes riches. Je suis à Randall fait des avortements. Oui, couramment. Écoute donc, elle ne t'a jamais rien dit d'un garçon nommé Roger. Roger? Oui. Non. Rien du tout, rien qui indiquerait qui est ce type-là. Non, non, elle ne m'en a pas parlé. Monsieur Arnda, hein? Je crois que je vais aller lui rendre visite. T'en fais pas. Merci, Peter. Hey. Monsieur Carré. Bonjour, Monsieur Carré.
Je suis au fond dans la cuisine. Tournez à droite et encore à droite. Excusez-moi de n'avoir pu aller vous accueillir à la porte, mais si j'avais quitté cette sauce, elle aurait inévitablement fait des grumeaux. C'est très difficile de la réussir parfaitement. La sauce danoise au rhum, vous aimez ça? Elle est parfaitement réussie. Ah, bien entendu, bien entendu. Mais entrez, asseyez-vous. De quelle ville d'Amérique êtes-vous? Je suis né à Palo Alto. Oh, très bien. Ben voyons, qui sont vos parents? Que font-ils dans l'existence? Eh bien, mon père donne des cours d'histoire, ma mère est biochimiste. Mon frère a de l'acné et ma petite sœur joue de la flûte. Non, excusez-moi si je vous palpe ainsi. C'est le biotique du chirurgien qui reparaît. Non, non, allez-y. Palpez. Ah, ben, est-ce que le jeu vous passionne? Recherchez-vous le bon sexe? Jouez-vous aux échecs? Ah, ou bien encore peut-être, êtes-vous peintre du dimanche? Non, je suis pathologiste. Non, je veux seulement prendre votre mesure, voyez-vous. 1m86. Vous savez, mon frère a peur de vous. Voulez-vous me passer le couteau, s'il vous plaît? Oui. Il a peur que vous ouvriez la porte de nos vieux placards et que nos défauts, nos tares familiales et nos enfants arriérés en dégringolent bruyamment et se répandent aux vues de tous. Il y a un risque? Ah, c'est possible. Voulez-vous la tourner un petit instant? Karine est venue à mon cabinet il y a à peu près 8 jours. Elle m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle voulait faire un avortement. J'ai répondu qu'il fallait faire d'abord quelques tests. Elle devait revenir me voir à mon cabinet jeudi. Pour donner les tests? Ça, j'en sais rien. Elle n'est pas revenue me voir. Vous n'avez pas trouvé que c'était curieux? Oh, vous savez, il arrive souvent que les jeunes filles perdent la tête quand elles ont le moindre retard pour leurs règles. Et si les tests étaient montrés positifs, vous l'auriez fait avorter? Est-ce à dire que vous m'accusez d'être un avorteur, monsieur Carré? Je ne vous accuse absolument de rien. Je ne fais que citer un fait qu'un bon nombre de femmes appartenant à la meilleure société pourraient attester. Un médecin peut quelquefois faire des avortements quand il a la conviction que les femmes ont le droit de disposer de leur corps librement. Merci, monsieur Carré, merci. J'ai une opinion sur le cas de votre nièce. Je crois qu'elle n'était pas enceinte. Vous croyez? Oui, je crois qu'elle avait une tumeur pituitaire. À évolution lente et relativement bénigne, mais suffisante pour faire croire à une fille qu'elle était enceinte. Elle n'a plus eu ses règles, elle a pris du poids et elle s'est affolée. Voulez-vous dire qu'elle est morte sans aucune nécessité? Oui, je le dis à qui veut l'entendre. Je crois qu'elle a voulu se faire avorter et que... il n'y avait aucune raison. Et c'est ça qui l'a tuée. Quel effet ça vous fait-il? Vous vous en foutez peut-être totalement après tout. Vous allez bientôt arrêter de vous retrancher derrière vos casseroles. Quoi, vous espérez sérieusement me faire croire que votre nièce, une gosse de 15 ans, vient chez vous pour vous dire qu'elle est sûrement enceinte? Que vous lui demandez de repasser pour subir les tests le jeudi suivant et quand elle ne revient pas, vous attribuez tout ça à son affolement? Vous ne téléphonez même pas à son père, votre propre frère, vous ne faites rien. Vous restez là assis comme un gros tas de graisse. Je ne vous ai pas demandé de vous mêler de cette histoire. Je ne vous ai pas demandé de venir chez moi. Et je ne vous ai pas demandé de m'insulter avec vos accusations. Mais ce que je vous demande, c'est de filer de chez moi avant que j'appelle la police. Très bien. Écoutez. Il y a une gamine de 15 ans qui est morte, docteur. Et il y a un homme de grande valeur qui risque de passer 20 ans de sa vie en prison, bien qu'il soit innocent. Malheureusement, je n'ai rien à vous dire qui puisse sauver votre ami. Rien du tout. Écoutez, je n'ai pas... Bon, très bien. Bonjour, capitaine. Monsieur Carré, on a reçu une plainte à votre sujet. Seulement une? Le docteur Randall dit que vous tracassez les membres de sa famille, son fils, sa femme et les camarades de sa fille.
Ai-je commis une infraction? Ça n'a pas encore été établi. En attendant que ça le soit, je vais vaquer à mes occupations. J'ai le droit de vous emmener pour vous interroger. Oui, mais ça pourrait vous attirer quelques ennuis. Non. Vous avez pénétré sans autorisation dans une propriété, la maison des Randall. J'avais perdu mon chemin, je voulais seulement me renseigner. Monsieur Carré, je pourrais vous rendre la vie très désagréable à Boston, vous savez. Capitaine, si vous me dressez seulement une contravention sans motif valable, je dirais même, si je vous trouve encore sur mon chemin en dehors du bal des policiers, je formule une plainte contre vous pour abus de pouvoir et j'envoie un triple exemplaire au parquet, au service de la mairie et au chef de la police. Si vous le faites, ça vous retombera sur le nez. Eh bien, dans ce cas-là, vous serez le premier à qui je téléphonerai. Ça me fera plaisir. Au revoir. Vous faites ça très bien, capitaine. Ah, je suis gavée. C'est formidable. T'es aimé le poisson? Tu sais, le seul poisson digne de ce nom, c'est le saumon qu'on pêche dans le Klamath, après-midi en été. Mon père le fait cuire dans un de ces vieux poêlons noirs avec la somme de sa pipe qui tombe dedans. Et après ça, on va s'étendre sous un vieil arbre près de la rive. Et on le déguste. En causant de la Révolution française et les femmes. Comment est-il? Oh, il est... Il est fermement convaincu de la vertu des bains froids. Il s'afflige du sort des pauvres Indiens. C'est un excellent menuisier. Elle continue à emmener ma mère au premier étage, quelquefois le dimanche après-midi, et il ferme le verrou. Sacré coquin. Il dit la prière avant le souper. Tu as dû avoir une enfance très heureuse. Oui. Et à part des petits problèmes de pipi aux yeux. Oh. Salut. Non, qu'est-ce qui m'en empêcherait, salaud? Je viens d'être opéré d'une hernie, ne vous appelez pas. Je vous en prie.
tortura, t'es jamais content. Je passe 16 heures par jour dans ce trou à rats. J'ai bien besoin de me distraire un peu, non? Te distraire, tu n'as qu'à aller à la plage. Il fait trop froid. Bah, c'est toi qui le dis, on crame de chaleur. Il l'est. Écoutez, voilà une photo que je veux faire agrandir. En grande dimension. Quelle dimension? Eh bien, un mètre vingt, quelque chose comme ça. Quel genre de photo est-ce que c'est? Oh, je suis certain qu'elle vous plaira. On ne fait pas de photo porno ici. Je peux la voir demain? Laissez-la. Vous avez photographié mon neveu dernièrement. Je ne sais pas où il est. Vous n'auriez pas gardé son adresse par hasard? On ne savait pas où habite votre neveu. Bon, vous savez, les jeunes ne tiennent pas en place à notre époque. Il ne vous ressemble pas du tout. Qui vous dit qu'il doit nécessairement me ressembler? Non. Je verrai si je trouve ça. Très bien, vous ferez ça pour demain, hein? Ouais. Il est là? Oh, monsieur Carré, attendez s'il vous plaît. Et voilà, monsieur Randall. Adultes consentants en train de faire l'amour. Ah, ce n'est peut-être pas la situation la plus digne qu'il soit possible d'imaginer, mais c'est certainement la plus agréable. Si j'avais su que vous alliez envoyer un photographe, je me serais fait couper les cheveux. Vous imaginez-vous, par hasard, que je m'abaisserais à faire du chantage? C'est pas fait tout seul. En tout cas, je vous la donne. Ça servira à rendre votre bureau un peu moins triste. Ah, votre agrandissement a fait sensation. Vous avez l'air assez doué pour ce genre d'exercice. Oui, mais l'angle n'était guère flatteur. Ah, c'est ces lumières trop violentes. À propos, et mon neveu? Il n'a rien trouvé. Non, quelle blague. Il est venu ici poser, ensuite il est revenu prendre lui-même les photos. Il m'arrive d'avoir les adresses, mais je n'ai rien gardé de lui, juste son nom. Roger Hudson. Pas de date? Il doit y avoir un an, peut-être. Dites donc, qu'est-ce qui vous a fait? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de la police, vous auriez commencé par le dire. Alors qu'est-ce que vous lui voulez? Il a rendu une fille enceinte. Oh, dites donc, il fallait que ce soit une fille drôlement gourde. C'est possible, mais elle ne méritait pas de mourir. Ce mec travaille en ce moment comme masseur au bain de vapeur un peu plus bas dans la rue. Je l'ai encore vu vendredi soir. Merci, mon vieux. Ah oui, il est très bien. Mais il est pris, il ne sera pas libre avant 6h30, c'est-à-dire dans une heure. Ouais. Eh bien, en attendant, je vais prendre un bain de vapeur. C'est $1 le bain et $6 le massage. Je suis de la police. Pardonnez-moi, je les repère. Tout de suite.
Et un policier qui vous recherche? Je ne sais pas pourquoi. Vous travaillez ici toute la journée? 8 heures. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Je fais de la gym. Je fais de la moto. Je joue au billard, je m'envoie une nana, je panouille jusqu'à l'aube. Je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Et quand est-ce que vous dormez? Jamais. Je n'arrête pas et je tiens le coup. Avec quoi? Des armes de blé. Je voudrais m'en procurer. Il y en a dans les maisons de régime. J'aimerais mieux en avoir des vôtres. Ah. Je ne peux pas vous en donner. Je ne vends pas ce genre de produit. Hein? C'était pas ce qu'Angela Alder avait dit. Alder, je vois pas du tout qui c'est. Alors, je peux pas me les rappeler toutes, hein, pas vrai? Dites-moi, avez-vous oublié aussi Karine Randall? Oh. Allez, défendez-vous. Et arrêtez de causer. Randall? Oui. Ah. Non, je connais pas cette môme-là. Curieux. Je croyais que vous lui aviez fait un enfant. Vous savez quoi? Fait un enfant. Vous rigolez? Ah, évidemment, ce serait pas la première fois qu'une nana essaierait de me posséder de cette manière-là. Oui. Eh bien, la nana en question n'avait pas plus de 15 ans. On lui aurait pressé le nez qu'il en serait sorti du lait. Il y a une espèce de sadique, un ignoble salaud qui l'a littéralement massacré. Ah. Dommage. Oui. Retournez-vous. Alors, allez-vous comme ça, c'est pas encore fini? Oh si, c'est fini. Non. Thank you.
Benton au service des urgences. Le docteur Benton est demandé d'urgence. Les internes et les infirmières de service doivent se rendre immédiatement au bloc opératoire C. Le docteur Benton au bloc opératoire C. Le docteur Benton, s'il vous plaît. Mettons-le sur la table. Il faut le déshabiller et vérifier s'il a des contusions internes. Prenez de la gaz et arrêtez le saignement. Il faut faire un hématocrite. Une fois l'hémorragie arrêtée, on fera des radios. Ne parlez pas, il y a peut-être une fracture de la mâchoire. Je vais m'occuper de la blessure que vous avez au front, après on verra. Il faut lui faire une toxine tétanique et une piqûre de pénicilline. Vous clignerez les yeux une fois pour oui, deux fois pour non. Êtes-vous allergique à la pénicilline? Vous en êtes sûr? Mais en tout cas, il n'y a pas de fracture. Mon hématocrite. Comment? Mon hématocrite, qu'est-ce que ça donne? 40, monsieur. Vous êtes médecin? Je suis Peter Carey, je suis pathologiste ici. Qui est le médecin de garde? Le docteur Murphy, monsieur. Bien dit-tu de venir. Allez chercher monsieur Murphy. Combien de points de suture? 12, monsieur. Arrêtez de m'appeler monsieur. Faites-moi un autre hématocrite, j'ai peut-être une hémorragie interne. Votre nom n'est pas sur votre blouse? Non, en effet, monsieur. Eh bien, mettez-le. Les malades aiment savoir à qui ils ont affaire. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, Murphy, il faut que je voie Angela Alder. Eh bien, elle aussi est aux urgences. Il y a une heure, quelqu'un a pénétré dans le labo et l'a poignardé. La police est auprès d'elle. Le capitaine Pearson vous cherchait. Oui. Oh. Oui. Et là, doucement, mon vieux, il y a peut-être un hématome. Je sais, mais... La radio du crâne est bonne, je crois. Oui, mais vous n'en êtes pas moins en observation pendant 24 heures. Je vous garde tant que les risques d'hémorragie interne ne sont pas écartés. Tenez-moi des vêtements, il faut que je voie Angela. Hors de question. Il faut que je la voie, laissez-moi sortir. Allez. C'est bon. Et s'il arrive quelque chose, tant pis pour vous. Donnez-lui des vêtements.
passé ce soir. Comment ça va? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça fait mal? Hein? Ça fait mal? J'espère que ça vous fait un mal de chien. Je serais heureux de vous voir éjecté d'ici. Avec toutes les autres ordures que produit l'hôpital. Monsieur Murphy, voulez-vous me donner les 10 mg de noradrénaline? Mais c'est une intoxiquée. 10 mg la mettrait brutalement en état de manque. Oui, c'est précisément ce que je veux faire. Vous pouvez la tuer. J'emmerde les médecins. J'emmerde les médecins et les flics. Vous allez m'en donner combien? Tout. La morphine, Angela. Ça vous soulagera. Si je suis d'humeur charitable. Je n'ai pas peur de vous. J'en ai vu toutes les couleurs. Je me suis réveillée dans la rue, je me suis réveillée dans mes vomissures. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Je vais rester dans le coin, docteur. Très bien. Vous êtes dans un mauvais cas. Je n'en mourrai pas. Bien sûr. Je peux vous faire mourir. C'est vous qui serez dans un mauvais cas. Dans cette chambre, je suis Dieu. Je pourrais appeler ça comme je voudrais. Défaillance cardiaque. Arrêt de la respiration. Traumatisme. C'est moi qui fais les constats de décès. Je demande qu'on m'incinère. Je peux obtenir ça aussi. Dites-moi ce que vous savez de Karine. Je ne connais aucune Karine. Vous la connaissez, vous rêvez d'elle chaque nuit. Je rêve seulement de crabes et d'araignées. Je rêve qu'il y a le feu. C'est de Karine que nous parlons. De Karine. Dites-moi ce que vous savez. Je connais une Marie, une Elisabeth, une Anne-Marie. Mais qui est Karine? Vous vous convulsez, Angela. Vous savez que dans un moment, vous voudrez parler. Et vous n'en serez plus capable. Qui a fait le coup? Je veux rentrer chez moi. Qui l'a tué? Il m'appelait son ange. Qui l'a tué? Qui l'a tué? C'est moi! C'est moi! Je voulais pas le tuer. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je savais le faire. Je sais pas si c'est passé. Pourquoi? Il cherchait partout. Il voyait tout, il regardait dans tous les coins. Ils m'ont fait défaire mes cheveux pour regarder. Vous voliez de la drogue à la chirurgie. Il me disait que ça ne leur servait à rien, qu'il allait claquer, que ça serait plus utile à d'autres. Roger. Ça a duré tout l'été. Et ses cheveux devenaient de plus en plus blonds, ça servait à être une auréole. Ah non, endormi par terre, sur l'herbe, dans les champs. Vous ne pouviez plus voler de drogue, parce qu'on surveillait. Oui. Oui. Roger en avait. Il voulait me la faire payer. J'ai essayé de vendre la bague de ma mère, mais le bijoutier a dit que c'était l'hiver. J'ai absolument besoin d'argent. Alors je vais la vendre.
feu l'anesthésie. Oh, Dieu bénal. Oh non, arrêtez, j'ai eu mal. Allons, fais sans en arrêter, dépêchez-vous, voyons, nous n'avons pas de temps, vite. Je vous en prie. Voilà, c'est fini. Je vous en prie. Vous êtes encore plus vache que moi. Ça a marché? Oui. Vous l'avez mise en état de manque par persuasion avec du sérum? Oui, je l'en ai tiré. Bon, je crois que... Vite là! Allez chercher une civière! Oh, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. L'hématocrite est bas. Son abdomen est dur. Tout de suite en salle d'opération. Faites-lui une intraveineuse. Vérifiez son groupe, je vais me préparer. Voulez-vous vous soulever un peu? Doucement. Doucement. On ne doit pas entrer ici. L'avenir dans la couture, Murphy. Espérons-le pour lui. Mais quels autres accessoires lui avez-vous extraits? Je n'ai enlevé que la rate. J'étais pressé, je n'ai rien pu enlever d'autre. Dommage. Changez de conversation, je vous prie. J'en ai assez. Vous savez, une splénectomie n'est pas une opération bénigne. Je veux bien vous laisser sortir, mais il faut que vous restiez dans votre fauteuil toute la journée devant la télévision. Oui, docteur. Oh. Ça fait mal. Non, quand je ris. Je regrette de ne pas avoir été là pour t'aider un peu. Dans un sens, c'était assez intéressant. Ma première splénectomie a été... Oh. La première et la dernière. Oui. Randall m'a fait rentrer et il m'a présenté ses plus humbles excuses. Il a dit, l'orgueil mène souvent à l'erreur. Il a avoué avoir été absurde et d'une grande injustice. Et il a dit que j'avais également été absurde. En tout cas, il m'affirme qu'il ne doutait pas de mon désintéressement. Désintéressement? Oui, enfin, il voulait dire que j'opérais pratiquement à titre gracieux. J'ai apprécié. Naturellement, et alors, qu'est-ce que tu as dit? Oui, monsieur, mais qu'il n'avait pas besoin de s'en faire parce que je n'avais nullement l'intention de recommencer à travailler ici. Mmh. Ben oui, on ne peut pas te le reprocher. Quelle façon de gagner sa vie, hein? Tu sais, je crois que je vais aller à Hollywood et que je ferai venir au monde les enfants de vedettes de cinéma. Les vedettes de cinéma n'ont pas d'enfants, elles ont des impresarios. Tu vas me manquer.
te suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Bon, c'était naturel, David. Non. Cette prison, tu peux me croire, c'était pas réjouissant. Mais j'y pense. Ma mère veut que tu saches qu'elle lit des prières bouddhistes pour que tu ailles mieux. Oh, mais alors si Dieu est chinois, je serai instantanément guéri. Il l'est. Tu m'as fait peur. Comment vas-tu? Comment vas-tu, toi? Quel air est-ce que j'ai? Tu as l'air distingué. Oh, je suis trop beau. Fais-moi une autre balade. Qu'est-ce que tu as? Mon mari est revenu à la maison depuis hier soir. Oui? Juste à l'heure du dîner. Comment est-il? Bronzé, maigri, repentant. Il ne va pas repartir. Il dit qu'il a changé, qu'il a mûri. Il veut se ranger. Tu penses que c'est vrai? Je pense en tout cas qu'il est temps de mettre un peu d'ordre dans mon existence. Et puis il m'a juré qu'il m'aimait. Et qu'est-ce que tu en dis? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Je dis que tu vas lui dire qu'il y a de la neige à Park City. Quoi? Tu vas lui dire qu'il y a 3 mètres de poudreuse en haut des magnifiques montagnes de Alta. Tu vas lui dire que le ciel est clair et qu'il n'y a pas de vent à Stove et qu'on va lui expédier un passe-montagne. Et après, on amènera Johnny avec ses bandes dessinées, ses bandes à pansement et ses sucettes. Je vous emmènerai chez moi et je vous présenterai à mon père et à ma mère. Mal au cœur en voiture. On doit s'arrêter presque tous les 10 km à une station-service.